Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il peut donner un frère, veut dire un sahaba de son époque, pour agir avec sincérité et tu peux recommander pour donner beaucoup de sadaqa. Tu peux recommander pour donner beaucoup de sadaqa. Mouré Diaou, les commerçants, c'est pas celui qui écrit un businessman de son passeport. Mais ça cas là qui pour faire gâteau pour Ramzan pour vendre là là. Vous ici devant là, vous combien sont là? Quand vous faites vous devez vendre rôti là là. Même un rôti plus bon, vous avez besoin de combien sont là? Ou si vous tombez là-dedans, tu es ça d'accord? Qui fait? Nous prenons un hadith qui nous fait guetter. Mais dire si c'est sincère, quand il dit à vous, comme ça, puis mal là, pas trop faux. Pas pour la te mettre des piments qu'on fait là-dedans. Parce que l'impossible de perdre une grande du monde la case côté, ça pourrait se sauver l'estomac pour bouler sur l'estomac ce qu'il y a autour. Je lui prends, vous connaissez, je dis ça, c'est un peu faux. Je lui prends. Vous me dites ce qu'on a fini. Qui a dit qu'il y a un cher frère? C'est quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il trouve son bon compagnon en pleine activité de travail. De base, hein? Lui, dans son sol, l'Allah, pour aller au salam des autres, oh, bon commerçant! J'ai tout en avoir des prophètes. Je te lève, je te dis, oui, il y a le sol, l'Allah. Le sol, l'Allah, pour aller au salam des autres. Certainement, bon commerçant, je vous prie, à pour lever comme bon péché. Mais dis-moi, qui me fait péché? Ou bien comme un désobéissant. Vous savez, vous pouvez dire. Certainement, un commerçant, vous les voyez comme un désobéissant. Excepté celui parmi eux qui montrait la crainte d'Allah, la piété et qui est sincère. Mais Dieu lui paye Allah pour l'article qu'il est vendu. Il y en a la piété qui a mené pour faire bonne action en d'autres mots, il commet, il faisait agir avec sa dimoune qui peut rester là, pareil quand il est content, il va agir avec lui. Et qu'il est sincère, pas la cause, il faisait casse, il va venir n'importe quelle façon. Non. Moré, dis-toi, l'article là, depuis l'année passée, ça. Moré, dis-toi, gâteau là, pas gâteau grand matin, c'est un gâteau hier, ça. Moré, dis-toi, tout fond. Si tu fais comme ça, je crie à moi, tu vas vouloir former banquier, désobéissant comme commerçant. Et deuxième, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Jésus, comme commerçant, certainement la vente est accompagnée de ban propos, je dirais, qui n'ont pas besoin. Jurons ici, pas jouer, non. Mais dire ban parole déplacée. Le travail n'est pas venu, hein? Oui, après, je travaille, où? Où j'ai dit, amène la clé 10. Il a dit, mais nous, la clé Kaïma? Alors, m'a dit, la clé Kaïma, côté de la 10, papa. Et après, je travaille, où? Non, et pas dire, il fait grand travail, là. Puis, il y a l'autre des bananes, je vais peine qu'il te lit, au moins, pour montrer le travail. Et il peut qu'on la clé, c'est-à-dire. Arriver dans quelque chose comme ça, oui, non. Comment nous refaire ça? Mais qui dans le sallallahu alayhi wa sallam dit, ajoute ça d'affaire là-dedans. Ajoute-le. Mais dire quand même tous les jours, tu tiens 5 ou bien 10 rupies, toi. Découvrir tout le déraillement qui finit là, à la journée de travail. Découvrir les problèmes là. Qui dit, frère? Parce que le déraillement là, il peut venir. Mais, pas qu'on dit, elle dit bout devant là seulement. Fini, la vie avant toi arrive devant Allah.